passagers désireux de visiter l'île sont priés de bien vouloir se rendre au guichet des renseignements. Qu'en dis-tu, si nous allions visiter l'île? L'idée d'être entassé dans un bus avec 50 personnes ne m'amuse pas du tout. Il faut toujours que tu sois pessimiste. Si tu veux, nous prendrons un taxi, ce sera plus drôle. Non, je préfère rester ici. Vas-y tout seul. Ah, mais enfin, nous ne pourrons donc jamais rester ensemble. Pardon, monsieur. Je voulais vous rappeler que vous n'avez que 2 heures à votre disposition. Si vous ratez cet avion, vous n'en aurez pas d'autre pour Hong Kong avant 4 jours. Oui, oui, je sais, merci. Tu me laisses y aller tout seul, alors? Ça ne t'ennuie pas trop, chérie? J'aurais préféré que tu m'accompagnes. Je te rapporterai un souvenir. Je t'attendrai au bar. D'accord. Excusez-moi, où puis-je trouver un taxi? Il y a là des voitures à la disposition des passagers. Ah, je vous remercie. Et surtout, tenez compte du fait que vous n'avez que 2 heures pour visiter l'île. Oui, je sais. Bonne promenade, monsieur. L'île vous plaira certainement. Oui, sans doute. À plus tard. Alberto. Mais tu ne te changes pas? Si, dans une minute, il faut que je finisse. Tu es obligé de tout faire ce soir? Tu le savais. Je te l'avais bien dit, non? Tu que je téléphone pour leur dire que tu es retenu? C'est hier qu'il fallait le faire, tu ne penses pas? Ne m'attends pas, veux-tu? Vas-y, je te rejoindrai là-bas dès que j'aurai terminé. Tu sais que je pars demain, Alberto. Et où vas-tu cette fois-ci? D'abord à Nairobi et puis à Hong Kong. Bien. Mais au fond, si tu venais, toi aussi? Moi? Mais qu'est-ce que ferait un ingénieur avec une photographe de mode? Tu aurais dû te poser cette question avant de décider de m'épouser, chérie. Mais enfin, pourquoi? Tu n'aimerais pas faire ce voyage avec moi? Je ne suis même pas capable de prendre une photo correctement. Et si tu ne partais pas? Si nous restions tous les deux seuls? Mais je ne peux pas. Je te l'ai déjà dit. J'ai signé un contrat pour ce travail. Je ne peux pas faire attendre ces gens. Oui, bien sûr. Tandis que moi, je peux attendre, n'est-ce pas? Veux-tu que je téléphone pour résilier le contrat? Non. Non, il est trop tard maintenant. Mais enfin, pourquoi ne viens-tu pas avec moi? On n'a jamais été nulle part ensemble. Oui, tu as raison. Nous mangeons ensemble, nous couchons ensemble. Nous pourrions aussi prendre l'avion ensemble et aller à l'hôtel ensemble. Puis toi, tu travaillerais et moi, j'attendrai. J'attendrai seul dans un hôtel à Hong Kong. D'ailleurs, j'ai toujours l'impression de t'attendre. Non, je préfère rester. Vas-y tout seul. Ah, mais enfin, nous ne pourrons donc jamais rester ensemble. Monsieur, il faudrait y aller, c'est bientôt l'heure, l'avion va partir. Hong Kong, l'hôtel, une douche, smoking et souliers vernis. Une réception emmerdante avec des gens dont je n'ai rien à foutre. Je voulais vous rappeler que vous n'avez que 2 heures à votre disposition. 2 heures seulement. Je connais quelqu'un qui y passerait volontiers toute sa vie dans cette île. Nous serons bientôt à l'aéroport, monsieur. Nous arriverons juste à temps. Arrêtons au portail. L'avion va décoller. Je m'en fous.
C'est gentil de ne pas être parti. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Explique-moi ce que veut dire ce petit jeu. Rien, parce que je n'ai pas envie de jouer, tu peux le croire. Mais est-ce que tu te rends compte? Oui, je sais. Il y a des gens qui t'attendent à Hong Kong. C'est un travail important et ton directeur va sûrement en faire une jaunisse. Mais il y a si longtemps qu'on ne prend pas de vacances ensemble. Pour une fois, je crois que tu pourrais oublier les photos de mode, non? Allons, souris, qu'est-ce que tu attends? Parce que je commence à avoir la sensation d'être coupable d'un délit. Voyons, juste un sourire. Un peu plus. Très bien. Tu verras, je suis sûr qu'on va s'amuser comme des fous. Il n'y a pas de meilleur guide que moi dans toute l'île. Je m'appelle Aozone. Ma voiture est à votre disposition. C'est joli ici, hein? C'est bien plus joli que Londres, non? Nous ne venons pas de Londres, mais de Rome. C'est un endroit beaucoup plus attirant que l'Europe. La capitale de Mahé est Port Victoria, en hommage à votre ex-vieille reine. À son ex-vieille reine, car je suis italien, moi. C'est ma femme qui est anglaise. Whisky et spaghetti, je vois. Comment t'appelles-tu déjà? J'ai oublié ton nom. Aozone. Dans notre langue, c'est un drôle de nom, mais peut-être te l'a-t-on déjà dit. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Mon mari dit des sottises. Ne l'écoutez pas, c'est sa façon à lui d'essayer d'être drôle. Vous avez des enfants, madame? Oui, un garçon. Et quel âge a-t-il? Il a juste 6 ans. Et toi, tu as des enfants, Aozone? Oh oui, beaucoup. Combien? Oh ben ça, vous savez, je n'en sais rien. Demandez à n'importe qui ici dans l'île. On vous dira, à Ozone, il passe son temps à faire des enfants et à refuser de se marier. Alors, ma chérie, tu es heureuse? Sais-tu que le général Gordon a séjourné dans cette île lors de son retour de Chine? Oh, tu m'en diras tant. Mais à propos, qui c'est Gordon? Ah, une autre découverte importante. Le paradis terrestre se trouvait sans aucun doute à Mahé. C'est du moins la théorie qu'avance notre général. Il a inventé ça pour que son nom figure dans une brochure touristique. Hop! Alors, chérie, est-ce que tu reconnais que j'ai eu une bonne idée? C'est comme si... Tac! Il y avait eu un coup de ciseau. Hey. Tu vois, si tu avais pris l'avion, à l'heure qu'il est, tu serais dans les nuages à 10 000 mètres. Et tu n'aurais pas le plaisir de m'avoir sous la main. Que tu es bête. Hélène. Tu as vu que ça t'a fait du bien de rester. Tu es plus belle. Ça me rappelle le début, quand nous étions à peine mariés. Je ne vois pas ce qu'il y avait tellement différent entre nous. Tu ne te souviens donc plus? Ces moments si merveilleux entre nous. Je parle, tu le sais, d'il y a 7 ou 8 ans. Je me souviens, tu voyais les choses qui t'entouraient avec tes yeux, et non à travers l'objectif de cette fichue machine à prendre les photos. C'est risqué, car en comparant le passé et le présent, on est souvent déçu. Est-ce que tu parles de notre vie à tous deux? Crois-tu que c'est bien le moment d'en discuter? Il y a des moments particuliers, d'après toi, pour en parler? Ah, voilà notre chauffeur. Comment a-t-il dit qu'il s'appelait? Aozone. Tenez, madame, c'est très bon pour des intérêts. Merci. Qu'est-ce que c'est? Une de mes spécialités. Mes compliments. C'est excellent. Goût, chérie. Vous allez faire des photos aujourd'hui? Oui, plus tard. Si vous voulez, je peux vous faire visiter l'île. Non, merci, pas maintenant. Je suis un peu fatiguée. Plus tard, peut-être. Quand vous voudrez, je reste par ici. Entendu. Et souviens-toi que tu nous as dit être le meilleur guide de l'île. Bien sûr, madame. Madame, madame. Tiens, Aozone. Je vous attendais pour vous faire visiter l'île. Ah, excuse-moi, ça m'est totalement sorti de l'idée. J'ai dû appeler certaines personnes à Rome et ensuite j'ai oublié. Allons-y maintenant, si vous le désirez. Je vais prendre la jeep, elle est là. Oh, c'est gentil, mais je préfère continuer à marcher un peu. Je porte vos paquets, si vous le voulez. Non, ne te dérange pas, ce n'est pas lourd. Par contre, tu devras aller chercher mon mari. Lui tient sans doute beaucoup moins à marcher. Au revoir.
Les requins. Péale. Il y a plus de requins par ici que d'habitants dans toute l'île. Oh, c'est terrible. C'est terrible pour quelques personnes. Mais pour beaucoup d'autres, la mort de ce jeune garçon sert à acheter le bonheur d'un autre. C'est une très vieille légende que racontent les habitants de Mahé. Depuis toujours, l'océan est la source de leur existence. Il s'est toujours montré bon et généreux avec eux et n'a jamais rien exigé en échange jusqu'au jour où Thi-Albert s'est fait tuer. Thi-Albert? Un pêcheur de l'île. Il avait une fiancée. Mais un jour, où il revenait à Mahé, il n'y trouva plus la jeune fille. Elle avait quitté l'île. Elle s'était enfuie avec un jeune pêcheur d'une autre île. Voyant ça, Thi-Albert prit tout de suite sa barque et partit à sa recherche. Mais ce fut inutile. Elle était introuvable. Elle venait de disparaître dans une tempête. Avec le jeune pêcheur. Et depuis ce triste jour, Thi-Albert prit l'océan en haine et le maudit. Accablé de douleur, il finit par se donner la mort en se jetant au milieu d'un banc de requins. Les habitants de l'île disent que depuis ce jour, la mer exige une victime en échange du bonheur d'une autre personne. Ainsi, la mort de ce garçon donnera le bonheur à un autre pêcheur. C'est pour cela que cet accident n'est pas un malheur pour les indigènes, mais une sorte de fatalité. C'est une belle histoire. Disons que c'est une légende, ou une superstition, si vous préférez le terme. Je trouve que c'est un drôle d'homme, ce Mr. Allan. Il habite Mahé depuis longtemps, 8 ans au moins. Mais que fait-il toute la journée? Il pêche. Il paraît qu'il écrit des livres aussi. Et de plus, il possède une belle embarcation. Justement, il est en train de la réparer. Sûrement le type traditionnel du raté qui a fui la civilisation pour trouver son inspiration. Et maintenant, je vais vous faire voir une autre de nos ressources naturelles, la noix de coco. C'est une de tes fiancées? Oui. Ici, vous pourrez faire un tas de photos. Et maintenant, je vous laisse. Tout le monde sait qu'Ozone passe son temps... à faire des enfants et à refuser de se marier. Oui. Et hop! Allez, fais-moi une photo. Ça en vaut la peine, non? Je ne te plais pas? Ah, tu es là. Je vous présente ma sœur Simone. C'est une très belle fille. Elle est formidable, mais c'est vrai que tu vas lui faire des photos? Oui, j'ai promis de lui en faire. Elle aurait du succès en Europe comme modèle, non? Oui, d'ailleurs, elle en aurait partout. Il y a là notre ami Alan. Eh
Elle est jolie, ma sœur, hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Elle est presque aussi belle que son frère. Au fait, je voudrais danser, moi aussi. Et comme ça? T'ennuies pas, chérie? Non. Je ne connais pas cette danse. C'est comme ça? Je crois qu'elle a plus que cela. Elle doit avoir tout ce qu'un homme peut désirer. Oui. Oui, tout ce qu'un homme peut désirer. Et elle te plaît. Avoue qu'elle te plaît. Pauvre amour, tu n'as vraiment pas de chance. Se trouver dans un paradis aussi beau que celui-ci et être obligé de se contenter de son épouse. Je sais que tu as envie d'elle. J'ai vu son comportement avec toi. Ici, ils font ça sans arrière-pensée, c'est leur manière d'être. Tu as entendu Haozun. Les rapports sexuels sont loin d'être un problème ici. C'est la bouche de Simone que tu aimeras embrasser maintenant. Tu sens ma peau contre la tienne. Mais je suis persuadée que tu aimerais prendre son corps. Et que tu aimerais la posséder, n'est-ce pas, mon amour? Hélène? Je te laisse tout seul, comme d'habitude. À tout à l'heure, Hélène. Mmh.
Bonjour, Simone. Je passais par là et je t'ai vue. Mais je pensais que tu travaillais à cette heure-ci. Certains jours, oui, et d'autres, non. Ah. Il fait beau aujourd'hui, le temps est doux. Il fait toujours beau ici. Et Hélène? Où est-elle? Eh bien, elle est allée faire une balade dans l'île. Et... j'imagine qu'elle parcourt les environs pour prendre des photos intéressantes. Elle passe la plus grande partie de son temps à faire des photos. Elle n'arrive pas à oublier qu'elle est photographe. Connais-tu la plus jolie plage de Mahé? Non. Un sourire à Ozun. Ça y est. Ma sœur aimerait beaucoup aller en Europe. Tous les Européens qui l'ont connue lui ont dit qu'elle aurait tort de ne pas y aller. Mais qu'en dites-vous? Les gens racontent un tas d'histoires. Qu'y a-t-il d'autre à voir par ici? Les tortues géantes. Allez, allez, au galop, au galop, au galop. Elles sont énormes, pas vrai? Elles sont le symbole des Seychelles. Allez, au galop. Et hop là, hop, hop, hop là, hop là. Regardez. Allons, saison de martyriser cette pauvre tortue. Dis-moi, qu'est-ce que c'est, ça? C'est une église. Est-ce que tu m'y accompagnes? Je n'y vais que le jour du Seigneur. Une touriste qui se respecte ne manque jamais de visiter églises et musées. Et tous ceux qui recherchent la solitude s'imaginent qu'ils sont plus près de Dieu que les autres. Bonjour, Alan. Bonjour, Hélène. En réalité, je suis venu voir un vieil ami, le père Timothy. Et maintenant, je dois m'en aller. Ou vous êtes un homme pressé, Alan, ou alors vous êtes tout à fait allergique aux touristes. Non, je me moquais de vous tout à l'heure. Je sais que vous n'êtes pas une touriste. Vous êtes photographe de mode et plutôt renommée. Non, vous auriez tort de croire que je vous évite. Au contraire, je suis content de discuter avec vous. Mais je suis certaine que vous êtes jaloux de votre paradis. Avouez-le. Bientôt, ce paradis sera envahi et submergé par les restaurants, les hôtels et tout le reste. Et alors, mon paradis, comme vous dites, ne sera plus qu'un souvenir. Et alors? Alors, il ne me restera plus qu'à m'en aller. Je me demande seulement dans quel coin. Eh bien, un endroit loin du monde et hors de la portée de nous autres touristes. Sans doute. Un endroit où le côté matériel de la vie n'est qu'une importance de second plan. Encore. 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 Tout à coup, cela semble être un mot d'amour. Encore. 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 Je crains que ce ne soit plus pareil. Ça le sera. Si tu le veux, ça le sera. Encore. Bonjour. Tu cherches Alberto? Non. Je viens de le quitter près de la cabane. Nous sommes allés faire un tour. Je lui ai montré la plus belle plage de Mahé. Elle est toujours déserte. Et si nous allions nager? Non, pas maintenant, plus tard.
Pourquoi t'habilles-tu de cette façon? On dirait que tu as peur de te faire voir comme tu es. Aucun de nous n'aime se montrer vraiment comme il est. Amaé, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est écrit sur le guide touristique. Vous ignorez la jalousie et l'amour est facile et libre ici. Le sexe est sans problème, chacun appartient à chacun, tout comme les Suédois, les Esquimaux, n'est-ce pas? C'est donc cela, la liberté sur ton île. Hélène, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, j'ai toujours vécu à Mahé. Hélène. Hélène. Écoute, je dois te parler, je... Je dois te parler d'une chose importante. J'ai essayé de te parler hier, quand je suis rentré. Je t'en prie, cette fois, il faut que tu te décides à m'écouter. Il s'est passé une chose extrêmement importante et... Très bien, mais fais-moi grâce des petits détails, veux-tu? Tu n'as jamais voulu ou tu n'as jamais eu le temps d'être jalouse de ton mari et tout d'un coup... Tout d'un coup, je n'ai eu envie que d'une seule chose, fuir. Malheureusement, je dois attendre. Je ne peux pas partir d'ici avant dimanche soir. Moi, j'ai comme la sensation d'être obligée d'accepter ce qu'une force mystérieuse a décidé. Tu te laisses emporter par ton imagination. C'est bien la première fois que j'éprouve... Que tu éprouves quoi? Je m'en veux pour ce qui s'est passé hier soir. J'ai eu tort de te laisser toute seule. Aucune importance. Et puis ça suffit, j'ai affaire. Qu'est-ce que tu veux? Tu as l'air étonné. Pourtant, tu voulais que je vienne ici. Tu m'avais dit qu'on ferait des photographies, non? Voilà, comme ça. Regarde, Hélène. Tu vois, c'est une papaye. Tu connais la coco de mer? Non, qu'est-ce que c'est? C'est une plante qui n'existe qu'à Mahé. Où peut-on en voir? À Cali. Ça, c'est le fruit femelle. Et ça, c'est le fruit mâle. Regarde, Hélène, une coco de mer femelle. On dirait le ventre d'une femme. Mets ta main. Tu sens comme c'est doux. Pour nous, c'est le symbole de l'amour et de la vie. Le jus de ce fruit est l'aphrodisiaque le plus puissant qui existe. C'est le secret du bonheur en amour. Passe ta main doucement dessus. Tu éprouveras une sensation troublante. Essaye, tu verras.
suis fatiguée. Si nous allions nager un peu, Hélène. Toutes ces photographies, Hélène? J'ai seulement des diapositives. Alors c'est encore plus beau, tu me les feras voir, dis. Je crains qu'on ne puisse les développer, Amaï. Si, on les développe, je sais où. Alors c'est d'accord. Je te remercie, Hélène. Au revoir. Au revoir. Est-ce que vous saviez que la majorité de la population est catholique? Toutefois, la plupart d'entre eux va sûrement assister à la fête ce soir. Catholique le matin et païen le soir, en somme. Chez nous aussi, c'est courant, mais nous refusons de l'admettre. Vous savez où nous irons ce matin? Nous irons voir le jardin botanique. À ce qu'on dit, il doit être unique au monde. Demain, très volontiers. Aujourd'hui, c'est dimanche. Tu es libre, Arzun. Passe nous prendre à l'hôtel après 8 heures ce soir, hein? Entendu. Alors, à ce soir. À ce soir. Il aurait pu rester avec nous. J'avais envie de t'inviter à déjeuner, chérie. Cette fois, j'espère que nous réussirons à parler tous les deux. On a un tas de choses à se raconter. Et je ne te laisserai pas t'échapper. Garçon, voilà. Voudriez-vous m'apporter un petit peu de pain grillé? Tout de suite, monsieur. Je ne crois pas avoir tort de boire, Jim. Oh, quelle chaleur ici. On sera à Cannes ce soir. C'est pour vous, monsieur. Tiens. Merci, monsieur. Eh bien, tu es déjà devenu très populaire, à ce que je vois, mon chéri. C'est un rendez-vous? Non, je dois m'absenter une minute. Excuse-moi, mais c'est plutôt important. Et ne t'en va pas, surtout. Et puis, il nous l'a payé 3 fois plus cher que ça ne coûtait. Mais il est fou allié. Non, moi, je crois qu'il tenait à impressionner son ami qui avait l'air de ne pas comprendre la langue. Il proposait le trip? Ah oui, excusez-moi. C'est ce que j'avais. Et vous désirez, madame? Rien, merci.
Et notre folle. Et encore. Comment ça finit? Je lui ai demandé 4 fois plus. C'est mon fils que tu cherches. Il n'est pas à la maison. Non, je voudrais voir Simone. Elle n'est pas là. Et même si je savais où elle est, je ne te le dirais pas. Va-t'en. Je veux que tu la laisses tranquille. Elle n'est pas du tout comme toi, elle. Pour nous, toi, tu es comme une plante d'un autre pays, incapable de s'adapter à la chaleur de Maé. Thank you.
Mets-toi dans ce cercle. Alors viens ici. Aie confiance. Je t'attendais. Non, maman, non! Sortez du cercle. Ce n'est rien, rassurez-vous. Ce n'est qu'une superstition. Il croit que si quelqu'un entre dans le cercle de feu, il encourra la colère des dieux et devra mourir. Bien entendu, ce n'est qu'une superstition. Ce serait idiot de donner de l'importance à ce genre de choses. Oui, je comprends, mais pourquoi a-t-elle choisi Hélène? N'oubliez pas que ces gens n'ont pas la même logique que nous. Oui, oui, vous avez sans doute raison. Allons dormir. Tu dois être fatigué. Tu veux boire? Non. Alberto, qu'est-ce qui nous arrive, dis? Désirez boire quelque chose? Que veux-tu boire? Rien, rien du tout. Non, rien, merci. À quoi est-ce que tu penses, Hélène? À rien. Pourquoi? Tu es là sans parler. De quoi peut-on parler tous les deux? Tu peux me le dire? Je veux quitter Maï. Je crois que ce que tu veux, en réalité, c'est plutôt m'éloigner de Simone. Oui, peut-être. En tout cas, je quitterai l'île, même si tu ne veux pas venir. Tu n'as plus envie de faire l'amour avec moi, n'est-ce pas? Et toi? Non. Moi non plus, je n'ai plus envie de faire l'amour avec toi. Une belle situation, qu'en dis-tu? Moi, je pense qu'une fois loin de Maï, tout sera bien différent. Pourquoi? C'était différent avant que nous n'étions pas ici? Oui, ça l'était. Et je peux te convaincre que ce que je dis est vrai. Ça n'est pas nécessaire. Bonjour, Hélène. Il paraît que tu m'as cherché hier. C'est exact. Je t'ai cherché. Mais pourquoi? C'était juste pour te donner cela. Oh, comme tu es gentille, Hélène. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique.
C'est la première fois que je vois une bague comme celle-ci. Elle est merveilleuse. Je la garderai toujours. Excuse-moi, je dois aller faire des courses. Apparemment, vous vous préparez à partir en voyage. En effet. Nous chargeons les provisions parce que demain, nous allons chasser le requin. Vous êtes invités tous les deux. J'en ai parlé avec Aozun. Mais Aozun a dit que vous répariez le bateau. Oui, c'est exact. Je pense finir de le réparer aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez y jeter un coup d'œil... Volontiers, oui. Arrête de nous servir à boire, sinon demain j'aurai une belle gueule de bois pour assister au conseil d'administration. Et puis j'en ai rien à foutre. J'en ai absolument rien à foutre. Je suis libre. J'ai décidé de vivre sans penser aux emmerdeurs qui ne font que te casser les pieds au trafic, au bruit, au bureau et à l'argent. Je veux faire l'amour. Prendre le soleil sur une plage déserte. J'ai une idée. Tu sais ce que je vais faire, hein? Je vais m'acheter toute l'île. Je construirai une digue tout autour. De cette façon, les touristes ne pourront plus y venir. L'île sera à nous. Rien qu'à nous. Nous vivrons de poissons, de fruits et d'amour. Je ne veux pas te quitter, ma chérie. Hé, toi! Tu ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on fasse l'amour, pas vrai? Je ne voudrais surtout pas que ça te gêne. Tu n'y vois aucun inconvénient, hein? Comment? Il a dû répondre qu'il était d'accord. Qu'il soit d'accord ou non, ça ne change rien. Heureux? Je suppose que vous l'êtes. Peut-être. Mais je ne m'en rends pas compte. Pourquoi? N'en sais rien. Est-ce que vous pensez que la solitude suffit pour être heureux? Question de conviction. Tout le problème est là, à mon avis. J'ai l'impression de vous ennuyer avec toutes mes questions. Non, vous avez tort. Je me demande ce qui vous a poussé à venir à Mahé. Lorsque j'étais en Europe, j'ai cru avoir 1000 bonnes raisons pour chercher un coin perdu tel que Mahé. Et maintenant? Maintenant, je n'ai aucune raison pour m'en aller ou pour rentrer en Europe. En fin de compte, rentrer chez soi, c'est un peu renouer certains liens.
Or, il n'y a rien qui me rattache encore au passé, aucun lien qui me retienne. Venez, allons boire quelque chose. Est-ce que maintenant vous croyez être plus heureux? Que voulez-vous dire? Avez-vous atteint ce que vous désiriez? Je ne le sais pas vraiment. Je ne crois pas. En tout cas, je suis résigné. Je suis un écrivain, mais je n'ai eu aucun succès. Je suis sans doute ce qu'on appelle un raté. Ce n'est plus un problème pour moi, depuis le moment où j'ai admis cette vérité. Pourquoi tu ne veux plus rester avec moi? Je n'ai pas dit que je ne voulais plus rester avec toi. Pourquoi t'en vas-tu alors? Mais nous nous reverrons, plus tard, ou bien demain. Tu ne veux même plus faire l'amour avec moi. Tu es déjà fatigué de moi? Non, je ne suis pas fatigué de toi. Mais essaie de comprendre. Je viens d'un autre pays. La civilisation m'a rendu malade. Je ne suis pas habitué au soleil et à l'air pur. Mais tout à l'heure, tu disais... Tout à l'heure, j'avais bu. J'avais oublié que j'étais prisonnier de mes idées, de mon éducation. Tributaire d'une race qui meurt de désespoir sans s'en rendre compte. Pendant quelques instants, j'ai entrouvert une porte sur des images de lumière. Mais la porte est refermée. Il faut que tu me laisses partir. Essaie de comprendre. Je comprends, Alberto. Je n'ai aucun droit sur toi. Tu ne me dois rien. Il devait en être ainsi. Ça a été beau, Alan, n'est-ce pas? Non. Même si nous nous sommes efforcés d'y croire. Cela n'a rien à voir avec vous. Je me refuse à donner des explications. Oh, vous n'allez pas me faire croire que parce que je m'éloigne quelques jours, vous allez être forcé de boucler. Très bien, oui. C'est moi qui le ferai. C'est uniquement votre faute. C'est votre incompétence qui fait que je suis indispensable. N'allume pas, veux-tu? Alberto, je dois te parler. Demain. Nous parlerons demain matin. Il faut qu'on se dépêche. Monsieur Alan est en train de nous attendre. Les requins aussi nous attendent. On en a juste pour une minute. On va prendre un cadeau pour notre fils. Alberto. Oui. Tu as une idée de ce qu'on pourrait acheter pour Marco? Alberto, je... J'ai l'impression que c'est drôlement cher ici.
C'est tout à fait un magasin pour touristes. Écoute, je dois te parler. Je pense que c'est le moment, Hélène. N'oublie pas que nous sommes déjà en retard. Les requins n'attendent plus que nous. Tu sais, j'ai fait l'amour avec Alan. Et sais-tu la raison qui m'a poussée à faire cela? Cela t'intéresse de savoir que c'était uniquement pour me sentir femme? Au moins avec lui? Non. Ça n'a plus d'intérêt. Plus rien n'en a. De ce qui peut se passer sur cette île. Je ne veux qu'une chose, partir. Penses-tu qu'il aimerait qu'on achète ça? Oui, ça lui plaira. Il est temps de partir. Il faut encore qu'on passe à l'hôtel. Excusez-moi, monsieur, vous avez Rome en ligne. Je vous passe tout de suite la communication. Merci. Allô? Hélène. Qu'est-ce que tu as? Puis-je savoir ce que tu veux, Simone? Rien. Rien. Alors pourquoi dois-je te rencontrer partout où je vais? Tu es toujours en train de me suivre et de mes pieds. Tu ne vois donc pas que je n'en peux plus? J'en ai plus qu'assez de voir ton visage de fausse ingénue! Mais je voulais te voir et te dire... J'en ai assez de tes faux airs de vierge, de ta naïveté! Fiche-moi le corps, tu entends? Va-t'en ou je te fais fiche à la porte! Va-t'en! Et cesse de me regarder comme ça! Pourquoi l'homme est-il aussi cruel, d'après toi? Tout ce massacre était inutile. Il est connu que chez l'homme, la cruauté est un des traits dominants. Il l'emporte sur l'animal car il est doué de raison. Il ne gagne pas toujours. Il arrive souvent que ce soit les requins qui gagnent, vous l'avez vu. Leur instinct peut être plus fort que l'intelligence de l'homme. Qui est-ce qui veut une bière? Hélène? Où est-ce que vous allez? Je vais me baigner. Mais je croyais que vous détestiez les bains de mer.
Il faut croire qu'il y a quelque chose de changé en moi maintenant. C'est dangereux, madame. Il y a des requins. Madame. Remontez sur le bateau. Non, il ne faut pas que vous restiez ici, madame. Il y a des requins, c'est dangereux. Il vaut mieux que vous remontiez. Allons, n'exagère pas. Oh, que c'est agréable. Je vous en prie, montez sur le bateau. Bon, d'accord. C'est dangereux ici, il y a des requins. Ah, c'est vrai, les requins, les esprits du mal. Et comment s'appelle-t-il ce jeune pêcheur? Ah oui, dit Albert. Ce pauvre malheureux qui a donné sa vie afin qu'un autre soit heureux. Pourquoi? Il y a quelqu'un d'heureux à bord? Aujourd'hui, nous quittons Mahé. On ne se verra plus. Cela est enfin terminé. C'est une phrase toute faite, mais qui pour une fois est juste. Je parle de tes vacances. C'est toi qui as voulu rester ici. Eh oui. En effet, je voulais rester ici. Mais avec toi. Oui, oui. Au début, peut-être, c'est ce que tu voulais. Mais après, tu as bien vite changé d'idée. J'en ai assez maintenant. Plus qu'assez de tes phrases ambiguës, de ton air de victime. J'en ai assez de tes regards. De ton attitude, qui me font sentir coupable de choses qui n'existent que dans ton imagination. Mais que veux-tu de plus? Tu me rends coupable de tout. Tu ne te rends pas compte que c'est ton esprit tortueux qui t'incite à trouver en moi une excuse, une justification à ta façon d'agir. J'ai des torts, moi aussi. Mais au moins, j'ai essayé de sauver notre ménage. Et si nous en sommes à ce point, c'est surtout par ta faute. Ça suffit maintenant, tu m'entends? Je te l'ai déjà dit, moi j'ai mes torts aussi. Mais ça n'est pas une excuse à ton comportement mesquin et à ta façon de me traiter. Si tu veux, on peut faire une comparaison de nos erreurs respectives. D'ailleurs, j'ai envie qu'on fasse le point depuis qu'on est sur cette île. Et j'en ai plus envie encore, depuis que j'ai compris certaines choses. Alors, je t'écoute. Vas-y, Hélène. Tu refuses la discussion. Comme d'habitude. Dans ce cas, c'est moi qui parlerai en utilisant ton propre langage. C'est cela que tu veux, hein? Simone, j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Elle n'était autre que l'image de quelque chose qui manque dans notre vie. Un peu de désir, c'est tout. Tu oublies ce qu'il y a eu avec Alan. C'est peut-être une image, ça aussi. Alan? Aucune importance. C'est la faute de Maë et de son soleil.
et les Seychelles ne sont rien d'autre qu'un aéroport où nous ne devions pas rester plus de quelques heures. Et pour ce qui est de la mort de ce pauvre gars qui s'est précipité pour sauver une idiote qui n'a rien trouvé de plus malin que de faire un plongeon au beau milieu d'un banc de requins, ce n'est qu'un incident banal et sans conséquence. Hélène, tu as tort de croire que c'est une île ensorcelée ou que le paradis perdu se trouve ici. Dis-toi qu'il n'y a rien de mystérieux ou de magique et qu'on peut trouver une explication à ce qui vient de nous arriver. Il suffit de regarder au fond de nous. C'est l'unique façon de comprendre. L'unique façon. Alors regarde et tu verras que notre mariage est mort, Alberto. Si tu veux, on peut se séparer. Réponds-moi. Veux-tu qu'on demande le divorce? Réponds, tu m'entends? J'oubliais de nouveau. Ce langage est trop direct pour une femme de ton genre. De toute façon, demain, nous retrouverons notre chez-nous. Notre île à nous deux. Et nous serons bientôt pris l'un et l'autre pour penser à toutes ces choses. Nous répéterons. C'est la faute de Maë et de son soleil. C'est ça. C'est juste une île et un soleil, rien de plus. Mais je doute fort que ce soit une consolation. Dernier appel. Les passagers du vol BOAC 060 à destination de Nairobi, Nicosie et Londres sont priés de se rendre à la porte numéro 2 pour l'embarquement immédiat. Nous serons chez nous dans moins de 16 heures. Oui, chez nous.